sitting for me. When I'm low, low, low. Donc c'est tout simple, dans cette vidéo, on va voir comment donner le véhicule à son ami et aussi comment se faire beaucoup d'argent facilement et rapidement. Donc c'est vraiment des millions par des millions, ou sinon tout simplement des véhicules fun pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc tout simplement, il faudra posséder un complexe. Donc ça c'est pour recevoir le véhicule de son ami. Donc il faudra posséder un complexe, un Faggio et un club de motards. C'est tout. Pour ceux qui veulent donner les véhicules, il leur faut juste un véhicule. Voilà, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, vous allez vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent facilement. Donc il faudra être accompagné d'un ami. Ensuite, il faudra remplir son complexe. Donc je vous conseille soit de prendre le véhicule de PNJ, soit d'aller dans Legendary et prendre la Elegit qui est gratuite. Une fois que cela est fait et que vous avez bien reçu les véhicules et que votre complexe est plein, vous allez tout simplement sortir et commander un Faggio. Donc je vous conseille un Faggio ou bien une moto d'un PNJ qui est gratuit. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez vous rendre ici au point jaune et normalement vous aurez déjà un premier message d'alerte. Mais avant, je vais expliquer la méthode pour que la méthode de votre ami, de ce qu'il doit faire. Donc votre ami devra aller dans pause, en ligne, activité, jouer activité, après créé par Rockstar, et il va aller dans une mission. Donc il prend n'importe laquelle. Donc maintenant je vous conseille vraiment pas travail de titan, car c'est beaucoup quand vous allez cliquer dessus, vous allez rejoindre une autre session. Donc c'est à dire que ça sera pas vous l'hôte de la mission. Donc je vous conseille, moi c'est mettre à l'eau, donc toujours vous avez juste à faire héberger, donc en appuyant sur rond après. Donc une fois que votre ami a le véhicule, donc moi je vous conseille c'est de le poser à côté du complexe et qu'il est dans la mission en hôte, vous pourrez prendre le scooter et aller au rond jaune. Une fois que vous serez au rond jaune, il y aura un message d'alerte comme quoi votre complexe est plein. Donc une fois que le complexe est plein, c'est tout simple. Votre ami va devoir être dans l'activité et vous allez devoir rentrer avec le scooter. Donc là, il y a le message d'alerte. Vous allez faire PS. Donc il y a le message d'alerte, je répète, le message qui dit que votre complexe est plein. Vous faites PS dans partie vocale. Vous allez dans votre ami et vous allez faire rejoindre session. Vous cliquez une fois sur rejoindre session. Normalement, vous allez retourner sur GTA normal avec le message. Sur GTA Online avec le message. Donc juste à ce moment-là, vous allez attendre 30 secondes. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, vous demanderez à votre ami de quitter la mission dans laquelle il est. Donc où il est l'hôte, dans le message d'accueil, dans l'accueil de la mission, il va tout simplement quitter. Une fois qu'il a quitté, il va retourner ici, par exemple, il va respawn là, au même endroit que moi. Et là, il devra vous dire un signal. Donc il va vous dire oui, c'est bon, je suis rentré. Donc à partir de ce moment là vous allez bombarder le bouton X. Normalement une fois que vous aurez bombardé le bouton X, vous aurez un écran noir. À partir de cet écran noir, vous allez faire pavé tactile et vous allez tout simplement vous suicider. Une fois que vous allez vous suicider, vous pourrez voir en bas à gauche qui aura pu la mini carte. Donc s'il a fait la mini carte, ça veut dire que le glitch a bien fonctionné. À partir de ce moment là vous allez prendre le véhicule de votre ami et vous allez rentrer dans votre complexe. Donc une fois que vous êtes rentré dans votre complexe, il y aura une autre manipulation pour garder le véhicule. C'est tout simple, vous allez reprendre le véhicule et vous allez sortir. Normalement ça va vous sortir directement du véhicule et vous dire que le véhicule n'est pas à vous. Si ça vous fait ça, ça veut dire que le glitch a bien fonctionné. À partir de ce moment là vous allez faire pause, vous allez dans éditeur Rockstar et vous allez tout simplement changer de session. Donc soit vous rejoignez la session, soit vous allez dans une autre session online. Donc vous rejoignez l'éditeur et vous refaites retour à GTA Online. Donc cette vidéo est vraiment vraiment simple, enfin cette vidéo, ce glitch est vraiment vraiment simple. Donc je vais vous faire voir en preuve avec GetGet. Donc là je vais activer le chat. Donc c'est parti. Donc là mon ami il est parti dans une mission. Donc il a fait pause en ligne, activité créée par Rockstar, et après une mission n'importe laquelle. Et là il est hôte de la mission. Du coup avec mon Faggio, moi je rentre dans le cercle jaune. Et là j'ai le message, le complexe est plein. Du coup là je fais PS et je fais rejoindre mon ami. Et à partir de ce moment là j'attends 30 secondes. Donc là je viens de le rejoindre, j'attends du coup 30 secondes. Et une fois que j'ai attendu 30 secondes, je demande à mon ami de quitter l'accueil de la mission. Ok GetGet, t'es prêt? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, pendant ces 30 secondes,
vous demande d'activer la cloche, de vous abonner et de lâcher un gros like et de commenter si vous n'y arrivez pas, comme ça je vous aide. Ah non, j'ai oublié de dire, faut aussi partager la chaîne. Gadget, t'es d'accord? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, bah oui, il va me donner de l'argent, bah oui. L'argent, oui, oui, oui. Donc regarde s'il y a personne qui a rejoint de ton activité, toi. Connexion en cours, il y a un mec qui a rejoint. Ah bah tu le quittes, tu le dégages. Sauf si c'est moi, non je rigole. Moi il est parti. Ok, donc là toi tu vas quitter. Tu me dis dès que t'as respawn, hein. Dès qu'il a respawn, je bombarde X. C'est bon, vas-y, go, go, go. Vous voyez, là ça me fait un écran bizarre. Ça m'a fait un écran bizarre. À partir de ce moment-là, je vais devoir faire pavé tactile et me suicider. Voilà. Une fois que vous êtes suicidé, vous verrez que en bas à gauche, il y a un écran qui est tout à fait. Enfin, un écran. Il y a la mini-carte qui a disparu. Merde, pas de l'écran. Donc là, je me rends directement vers mon complexe, là où se trouve le véhicule de mon ami, pour le prendre. Là, t'es pas tout près, hein. Oui, bah ça. C'est les effets de spawn de GTA. Ok? Donc là, je vais directement prendre son véhicule. Donc le véhicule, c'est le nouveau, donc je ne possède pas encore. Donc le voyez-vous, c'est un oiseau ivre. Voilà. Une fois que j'ai pris son véhicule, je rentre tout simplement dans mon complexe. Et là, je fais oui. Et je le remplace par un véhicule qui est gratuit. Donc soit une Elegy quand vous avez rempli votre garage, soit par un autre véhicule que vous voulez remplacer. Donc moi, ce sera un autre Fat Joe blanc que Raptor m'a offert tout à l'heure. Ah oui, il est pauvre, il a qu'un Fat Joe à m'offrir. Donc j'ai testé le glitch. Et voilà. Ensuite, une fois que ça est fait, enfin une fois que cela est fait, on va directement reprendre le véhicule. Donc, hop, c'est parti, il se trouve où le véhicule? Il est là-bas. Waouh, il est très très joli, hein. Je kiffe. Une BM bizarre. Donc pour sauvegarder, vous allez tout simplement sortir avec, ou vous faites directement pause, éditeur, et vous allez dans l'éditeur et vous revenez sur GTA Online. Donc vous voyez, là, hop, ça m'a fait sortir du véhicule et ça marque un message comme quoi c'est pas mon véhicule personnel. Du coup, là, vous faites pause en ligne et vous allez directement dans l'éditeur. Une fois que vous allez dans l'éditeur, vous allez faire PS, partie et rejoindre votre ami pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite, mais aussi, n'oubliez pas de mettre dernière position. C'est très important, comme ça, ça va directement plus vite et vous gagnerez des millions. Donc moi, je vous conseille, c'est les véhicules de chez Beniz, parce que eux, ils se revendent très cher. Donc là, ça m'a marqué comme quoi la session ne marche plus, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, le mieux, c'est les véhicules de chez Beniz, la Elegy Retro qui se revend très cher, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, et pour ceux qui volent des véhicules qui n'ont pas, comme la Deluxo, celle-là ne peut pas se revendre. Donc voilà. Push me, zombie, 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 zombie,